Moins 350 000 euros. C'est le manque à gagner du diocèse de Nice par rapport aux dons reçus entre 2004 et 2011. Une baisse qui s'explique par la crise économique, mais surtout par l'écroulement du nombre de donateurs, souvent très âgés. Mais cette réalité des chiffres doit être nuancée. Il y a de moins en moins de donneurs vers l'Église catholique romaine, c'est de celle-ci que nous parlons, mais il semblerait que dans le même temps, ceux qui continuent à donner soient un peu plus généreux, quelque part, pour créer une sorte de compensation. Les 3 millions d'euros de dépenses consacrées à l'entretien de ses propres bâtiments représentent pour le diocèse de Nice le quart de son budget. Le reste est consacré au salaire des prêtres et des laïcs des Alpes-Maritimes, aux dons faits aux associations, voire même à la participation au trésor du Vatican. Car pour s'en sortir, l'église azuréenne ne peut compter sur aucune subvention venant de l'État ou du Saint-Siège. Elle dépend seulement des divers dons qui lui sont faits. Ainsi, en 2006, ces donations se partageaient entre le denier de l'église, les quêtes du dimanche et les offrandes faites lors des baptêmes ou des mariages. En cette période de Noël, l'église espère recevoir au pied du sapin un bien joli cadeau.